C'est comment les amis? Tout le monde. Salut tout le monde, comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, il y a du retard, il y a du retard, c'est normal les gars, c'est un self-control. Il y a toujours des petits trucs de dernière minute. Bien évidemment, il y a du retard. Mais on est là, on est présent pour ce self-control. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de self-control les amis, ça fait combien de temps? Ça va faire un bon 4 semaines, un peu plus même. Ta mère la moto, ok, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Ça fait pas mal de temps. L'invité, c'est qui, les gars? Ça va arriver, les gars. Je vais vous présenter les invités. D'abord, je tenais à vous remercier d'être présent. Plus de 10 000 personnes, alors qu'on n'a même pas commencé le live. Merci beaucoup, vous êtes les boss. Le micro, alors attendez, je regarde si tous les réglages sont faits. Il y a 42 micros, tout est carré, si même à 45. Ok, bon, vous savez, ces derniers temps, il s'est passé énormément de choses dans la vie de Jean-Paul Malov. Il s'est passé énormément de choses côté amoureux. Il y a eu Anaïs, on s'en rappelle tous, il y a eu Émilie. Après Émilie, il y a eu qui? Barbara. Barbara, elle est venue après, ouais. Barbara, après il y a eu Nina. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle, voilà, Alicia. Du coup, tout le monde la connaît. Du coup, c'est toujours les montagnes russes, les gars. À chaque fois, il pense que c'est la bonne, il va se marier et boum, il se rétame par terre. Et à chaque fois, on dit que c'est de ma faute ou la faute de sa fille. On n'a jamais dit que c'était de ma faute. Ouais, on a toujours dit que c'était de ma faute. Ok, c'est vrai. C'est vrai, on dit toujours que c'est de ma faute. La caméra, elle est penchée. Attendez. Ouais, elle est penchée. Elle est penchée, ouais. C'est mieux là ou pas? C'est ouais, Mada, Lida. Ouais, elle est penchée de l'autre côté maintenant. Non, mais ça se voit qu'elle est penchée, frère. C'est bon là? Mais non, regarde, c'est pas droit. Où? Bah, sur le retour. C'est pas les pieds qui sont pas bien mis. Non, c'est pas les pieds qui sont pas bien mis, c'est juste que... C'est bon, je sais pas pourquoi t'as mis ton téléphone en fait. Mets-le juste au milieu. Là? Pour revenir sur le sujet, il y a eu des petits soucis. Les gars, normalement, il devait avoir deux invités. Malheureusement, il n'y aura qu'un seul invité. Le deuxième invité n'a pas assumé ses dires. Ou alors, nous a boycotté. Je vous le dis, c'est censé être Émilie. Donc la fameuse Émilie avec qui il y avait eu des embrouilles, etc. J'avais eu une conversation avec elle. Elle devait venir, elle nous a mis un faux plan, elle n'a pas assumé. Mais il reste une personne. Les gars, il nous reste... Ah, mais on ne me voit pas. Et ouais. Il nous reste la personne. Oui, les gars, désolé. Les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Émilie n'a pas pu venir. Du coup, on va accueillir... l'invité, du coup, là, Barbara! Donc voilà, quoi? Il y aura Barbara ce soir. On applaudit, s'il vous plaît. Salut Barbara, comment tu vas? Ça va, ça va nickel. Alors Barbara, assis-toi. Je passe. Bon Barbara, comme tu sais, à la base on devait être 5. Il devait avoir une fille, je t'en avais parlé, Émilie. Toi, t'en penses quoi? T'aurais aimé qu'elle soit là, Émilie, pour pouvoir discuter avec elle? Bon, t'aurais préféré que ce soit qui? Émilie? Nina l'a refusé directement. Catégoriquement. Ouais, catégoriquement. Elle a direct refusé, les gars. Elle a dit que tu l'as traité pour elle. Elle passe à autre chose. Elle veut plus qu'on parle d'elle. Il a ajouté Nina. Nina de pute. Pourquoi? T'inquiète pas, il a dit. Voilà. Ouais, mais t'as vu, frérot, si t'as pas envie de te manger une droite et elle te réveille, parle beaucoup plus fort. Genre. De quoi? Maintenant, t'as vu, t'inquiète pas de. Pink! Enfant de 8 ans là. M'entends. Voilà, parle plus fort. Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, moi de base, j'ai appelé, du coup, je voulais faire. Voilà, moi je voulais le mettre dans une sale situation. J'ai appelé Émilie. Elle m'avait dit oui. Finalement, je crois qu'elle a fait exprès, elle n'est pas venue. Nina, je l'ai appelée. Elle m'a dit non, c'est mort. Elle veut plus s'afficher, elle veut plus entendre parler de JP, etc. Il a insulté, comme quoi elle avait insulté tous les gens de son village. Tu l'as insulté de maintes et maintes fois. Du coup, elle ne veut plus entendre parler de toi. Du coup, t'aurais préféré que ce soit qui, Émilie ou Nina? Si... aucune des deux? Aucune des deux. Pas une petite préférence? Non, pas. Est-ce que moi j'ai une question? Parce moi, que... la vérité, je voulais faire venir ta mère. Ouais, je parle français. Moi, là-bas, je voulais faire venir ta On mère. On voulait faire venir Joël aussi. Moi, je voulais que ta mère soit là, là. Mais... moi, je vais te poser une question. Et c'est parce que c'est un train. Parce que moi, j'étais fier de mon coup. Si Émilie, elle serait venue, est-ce que t'aurais porté tes couilles devant elle ou pas?
Largement. Mais ok. Alors là, c'est pas la peine. Tu l'aurais insulté comme tu l'insultes en vrai. Mais c'est qui cette Emily? Ah oui, toi tu la connais pas. Elle était là avant toi. Ouais, c'était une dingue, une dingo. Ah bon? Ouais, une dingo. Une dingo. Et si ça avait été Nina, tu aurais assumé devant elle? Comme d'habitude, je m'en bats. Ouais, toi t'es un homme. Est-ce que comme d'habitude ou comme pas d'habitude du coup? Toi t'es un homme, toi t'assumes, t'as raison, faut assumer dans la vie. Mais y a pas une semaine t'étais avec elle, non? Ouais, genre une semaine et demie. C'est fini. Mais j'aurais trop aimé la tête dans... parce que j'en suis sûr, j'ai pas réussi mon coup. Là je te l'avoue, je suis un peu triste, je suis dégoûté. Tu t'as vu que ma tête elle tourne toute la journée, c'était pas bien, etc. Ouais. Si elle avait été là, je te jure que t'aurais pas fait le beau comme ça. Moi justement je trouve que tu fais le beau justement parce que elle est pas là et que Emily n'est pas là, du coup tu fais le beau. Je pense que si t'avais eu par exemple là à la place de Barbara, ça aurait été Nina, je te jure t'aurais pas parlé comme tu parles et t'aurais pas assumé tes propos et tu l'aurais pas dit face à face que c'est une pute. C'est bon, je le dis. Non, tu l'aurais pas dit, arrête de mentir. La tête d'homme, il l'aurait pas dit. Tu l'aurais pas dit. Vas-y, jure-le, tu l'aurais dit. Jure après Coco parce que j'ai... Non, bah, jure chez toi là-bas. Les athées, ils jurent quoi? Ils jurent pas. Jure sur la tête à ta mère. C'est dole. Ah ben voilà, c'est pas un homme. Tu l'aurais pas dit. Je sais que tu l'aurais pas dit. La Nina qui m'appelle. C'est bien. Allô? Hey Naruto, ça va? Ça va ou quoi, Nina? J'imagine que t'es derrière le live. Ouais, en fait, je regarde le live et je me demandais pourquoi il y avait encore mon nom dans sa bouche. Non mais t'inquiète, on parlera pas de toi. De quoi? Tu es de bagarrer? Quoi? Hein, donc? Attends. C'était sûr que c'était une femme invitée vu le comportement du détraqué. Depuis le début du live, il est trop investi sur le live. C'était pas normal. Fous complètement ce que tu parles. Non, il a pas parlé de toi. En gros, juste on parlait comme quoi tu voulais pas venir et que Emilie elle a pas pu venir. Et qu'il a avoué que si tu serais venu, il t'aurait insulté droit dans les yeux. Mais bon, je pense pas qu'il l'aurait fait personnellement. Ah bon, t'aurais fait ça? T'aurais fait ça? Elle veut pas plus m'entendre. J'entends plus. Non, mais de toute façon, t'aurais. Non, c'est pas grave, JP, il y a bien un jour où on pourra se régler, toi et moi. Ouais, wow. Le top, c'est qu'on passe à autre chose. Ouais, je pense c'est la bagarre. Ouais. Mais régler dans quel sens? Bagarre. Bah, de toute façon, vas-y, Nina. Vas-y. Bref. Mais pourquoi elle appelle pour faire des grilles? Parce qu'elle veut plus qu'on parle d'elle sur les lives. Mais pourtant, elle est sur le live, quoi. Moi, je lui parle pas d'elle, hein. Hein? Si, quand même. Je parle d'elle. Ah non. Si, quand même. Un peu beaucoup, même. Tu penses à elle? Non. Putain, j'aurais voulu un combat de meufs, moi, je suis deg. Même pas une miette. Ou alors un combat de deux meufs et un truc. C'est incroyable. Bref. Du coup, moi, personnellement, le chat, est-ce qu'il aurait assumé pour vous? Quoi? Je veux pas les mots, là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Oh les gars, vous nous prenez pour des cons à nous parler de NASA, ça demandait à 10 amis en appel de proposer. Mais les gars, réfléchissez. Trois noms et vous nous faites attendre un mois pour Barbara avec son réfléchissez. Déjà, pourquoi il y a les dents? On m'a dit qu'on les mettait pas pendant cette contrôle. Les gars, pour vous, le chat, il aurait assumé ou pas devant elle? Non. Je lis pas, moi, de le non. Dire. Non, jamais, non. Ah, t'es mieux non. Un peu, ouais. Ah ouais? Je vois rien. Non. Il aurait pas assumé. Ok, c'est bien ce que je pensais. Voir, ouais, du coup, Barbara, est-ce que tu connais le concept du self-control? Non, j'ai peur. Ah, tu connais pas? Non. Et t'as pas regardé? Bah non. Bienvenue en enfer. Si je t'ai dit de prendre une tenue de merde, etc., c'est qu'il y a une raison. Le moment en fait... quand tu m'as dit ça, j'ai eu peur. Parce que... Elle est foutue. Il faut pas avoir peur. Bref, les gars, on va commencer... Je vais aller chercher la base de quoi manger, bien évidemment autour de la table, pour qu'on puisse commencer tout ça. J'arrive tout de suite. Ah non. Elle est foutue. Mais il y a des quoi, il y a quoi qui est... Il n'y a rien, on va te poser des questions, c'est tout. Après lui, normalement, si c'est un gentleman, il te protège, mais ça m'étonnerait. Il va se manger une balle, il va faire un ABC. Elle est foutue. Je peux pas lire. Ouais. Lire quoi? Non, de toute façon, y a rien à lire là. Rien à lire. Non, mais ça va. Moi, je t'explique ce qui va se passer. Ok. On va discuter. On va te poser des questions sur ta vie qui m'intéresse très peu. Et y a des gens, ils vont rentrer. Ils vont faire des conneries ici. Et en gros, lui, il faudra qu'il te protège. Ok. Mais vu qu'il a pas de carence et qu'il a pas de force, bah, il va te protéger genre 5 secondes avant que tu te manges des coups. Merde. Oh, t'as pris mes céréales préférées? Ouais, c'est les miens aussi. On va manger. Oh, super. Ouais.
Du coup, encore des céréales que je peux pas manger. Il faut que tu comprennes un truc, c'est que ici, à chaque fois, ici, en fait, c'est une mini interview. On va discuter, on va parler, etc. Et en fait, on a toujours ce truc où on mange. Hey, tu fais spray. En même temps, pourquoi? Il a pas de dents. Tu fais spray. Ah mais si. À chaque fois, c'était spray. Celle-là, se suce. Je te jure, elle se suce. Bon, bah écoute, de sucer. Tu veux que je te les casse? Je te jure, elle se suce. Tu veux que je te les casse? Ah non, ouais, tu peux le pré-mâcher. Déjà, tu serais un gentleman, ouais. Tu serais bien l'invité. Ouais. Vas-y, nique ton oncle. Serre l'invité. Arrêtez de sucer. Est-ce que tu peux le pré-mâcher? Oui. Ah, tu peux pré-mâcher? Mais... Alors, je vous fais un bol pour deux. Ah, mets-les-en un peu quand même. Bah, je te jure, ceux-là, dans l'eau, dans le lait, ils ramollissent. Vas-y. Je te jure, c'est pas une blague. Tiens. Mange. Super. Non. Bah, le temps qu'ils finissent ça, on aura notre quatrième bol. Je te jure que dans le lait, ils ramollissent. Ils deviennent toutes molles. Tu sais ce que ça veut dire, pré-mâcher? Oui, je le mets dans la bouche et je crache, non? Voilà, et tu lui rends pour qu'il mange. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Bon, bah, du coup, servant le lait. Oui! Excusez-moi, vous m'avez pas servi de balle à moi! Mais Nina! Non, c'est pas Nina, c'est que Kra! Ça va, Nina! Comment tu vas, Nina? Vous vous serrez pas la main? Non? Tu la connais pas? Non. Eh ben, tu vas la connaître! Parce qu'elle va être en face de toi et qu'on va discuter! Toute la soirée! Voilà! Allez, couru! Bon, Barbara! Tous ensemble! Je vois que t'es un peu choqué. Ouais, je suis choqué. Alors, je t'explique. Pour faire court, toi rapproche-toi. Non, je suis là. Faut qu'on va. Pour faire court. Non, alors attends, juste une minute. Ouais, t'es une grosse. Wouah! Alors, on m'a dit que j'ai pas vu. Attends, carrément les couilles. Attends. Voilà, c'est clair comme ça. Attends, tu veux des céréales? Ouais, je pense que tu veux des céréales. Attends. Ouais, t'as quoi un bol? Mange. T'as oublié ton bol. Tu peux pas te mettre un peu dans l'axe? Je peux pas. Les openings, ça va pris. Faut que je me mette au milieu, sinon y'a pas steak. Ouais, je pense que je vais rester là. Avant qu'il y ait embrouille, il y a déjà embrouille. Oui. Il vient de te traiter de. Ah non, mais pas de soucis, je suis choc barre. Ok, ah ouais, donc grave. Maintenant je vais vous dire un truc. Les règles, c'est un self-control. À tout moment, à partir de maintenant, on a commencé à manger, il y a des gens qui vont rentrer, il va y avoir des scènes. On n'a pas le droit de les regarder, ok? Comme s'ils n'existaient pas. Celui qui regarde, il mange un taquet dans la tête. Une gifle. Ça veut dire si je te vois regarder, j'ai le droit de te mettre une gifle. Toi aussi. Nina, si il perd son self-control, je mets une grosse gifle dans sa mère la. Tu peux, exactement. Et c'est pareil pour toi. Regarde, attendez. Là-dedans, ma mère, elle n'a rien à foutre de ta gueule. Elle a rien à voir là-dedans, ok? Je fais ce que je veux. Regarde tes mots. Regarde, ma mère, non, mais je la suis des quand même. Bah ouais. Ouais, mais ma mère, c'est pas une toi. Moi, je vous dis. Oh, ouais, je peux pas rester là. Tu te mets un tout petit peu sur le côté, ça fait. Non. Tu veux venir avec moi? Ouais. Je préfère qu'on soit sécurité. T'as capté? On entoure. Attendez, j'avais ramené des trucs à manger, moi aussi. Non. Vas-y, mange des céréales. On va rester sur ça. Alors, c'est la merde. Du coup, on peut commencer. Donc, bon, en fait, moi à la base, je suis venue ici parce que ça fait quelques jours que je regarde les lives et que la personne en vert en face de moi se permet de m'insulter. Et a la haine contre moi, mais on sait toujours pas pourquoi. Il y a que lui qui sait, apparemment. Ça fait quelques jours que je parle même plus de toi. Ah bon? Ouais. Pourtant, sur tous les lives, il y a Nina qui sort. Hein. Je te sors les rediffs. C'est vrai que tu l'insultes souvent. J'ai sucé tout le village, tout ça. La dernière fois, on a fait un live ensemble. Vous avez parlé de moi? Oui, oui, c'est vrai, tu te rappelles, il a même insulté. Ouais, c'est possible. Ok. Oh, du coup, Barbara. C'est gratuit. Du coup, Barbara, je t'ai même pas présenté, je te présente. Nina. Enchantée, Barbara. Salut. C'est la fameuse Nina que JP insulte H24 sur ses lives. Du coup. Quand il me fait pas des bisous partout. Ah bah oui. C'est quoi cette histoire? Bah, un jour, il m'a envoyé un message en me disant qu'il me faisait des bisous partout. Partout, même dans ton trou. Pardon. C'est là qu'il faut regarder, monsieur Pormanov. Non, non, elle est là. Non. Nina, il a pas les couilles de regarder. Regarde mon bol. Voilà. Il préfère regarder. Pour moi, c'est une chaise vide ici, là-haut. Pour toi, c'est une chaise vide? Ouais. Autant vite que ta bouche ou ça ira? D'accord. Waouh. Bon appétit, ça fait. C'est pas moi qui cache. C'est pas moi qui ai une cagoule, hein. Mais je peux l'enlever et te mettre un coup de tête aussi. Waouh. Non. Bah, t'as un procédé? Moi, je veux pas que ça dérape. Les gars. Ah ouais. Ah, je vais dire ma tête, tu la connais, fais pas genre, je me suis toujours cagoulé, je la connais très bien ma tête. Et ça te dérangeait pas jusque là que j'avais une cagoule. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur un sujet.
Moi, je te dis, vous l'avez dit que t'étais magnifique, que t'étais très belle. Mmh. Et je crois qu'il t'a critiqué physiquement sur le dernier live. Il me semble. Tu sais, on est toujours sali par plus sale. Waouh. Wow. Ouais, parce que quand on a même pas genre 10% de la physique, on critique pas que celui des autres, quoi. 10% de la physique. Toi, t'es juste là, quoi. T'es juste là. T'existes, tu respires. Quoi, c'est. C'est grave contenders. Ouais. Je pense que j'ai réussi deux fois mieux que toi. Ouais. Et tu bégayes plus que moi aussi. C'est et ça moi, qui est triste. Je m'en bats les couilles que je bégaye du machin chouette, toi. Mm. Bon, quand il y a personne qui veut. Quand il y a une personne qui me dit t'existes plus, j'existe plus. Je téléphone pas. Ouais, non, reste sur le live, on parle de moi. Non, raccroche. Non, je sais pas. Ok. Ok. Mais c'est toi qui as décidé que j'existe plus. Ouais. Maintenant, moi. Les joueurs rentrent sur le terrain. Moi j'aimerais un truc. Moi il y a un truc que JP, j'apprécie pas. C'est quand on crache dans la soupe. Ouais, c'est pas bien. Moi je trouve que. Moi je vais te donner mon avis sincère. Je trouve que t'as eu. Je pense que t'as eu un. Pour moi. Non, mais en fait moi je veux juste savoir d'où part la haine. De où? De quand? Moi, pour moi t'as eu un comportement de faux cul. Parce que tu nous disais elle est trop belle, elle est magnifique. T'avais. Non mais ça au pire. Moi je veux dire la vraie, t'avais toutes ces photos dans ton téléphone. Ah, et du jour au lendemain, devant 15 000 personnes, tu dis qu'elle était pas ouf, que... Pourquoi frérot tu agis comme ça? Pourquoi Jean-Cleman, avance un peu. Ouais, faut que t'avances, Fais l'homme, avance, fais l'homme. Du coup, faut que t'avances frère. Fais l'homme. Fuck. Du coup, faut que t'avances. La caméra. Attends. C'est l'échauffement. Ça a bugué. Je suis pas chaud, les mecs. J'aurais pas dû sortir hier soir. Faut arrêter l'alcool, Benoît. Tu t'es protégé. Concentré sur le tennis. Deuxième balle. Je suis pas chaud. Du coup, ce que je disais, Ace, c'est que j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Tu l'as critiqué. On va critiquer aussi. Là j'y vais là. Ouais là, j'y vais. Elle a tu m'as dit des. Un peu de. Voilà. Vous êtes pas chaud Benoît. Attends. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Laissez-moi me rentrer dans mon match. Vraiment pas chaud Benoît. J'ai moi rentrer dans mon match. Waouh. Wow. C'est pas évident. J'ai une crampe au biceps. Benoît, tu aimes les lifter. Sois dans les lifter Benoît. J'ai carrément une crampe au biceps. C'est vrai. Voilà Benoît, c'est comme ça. Comme ça Benoît. J'ai carrément une crampe au biceps. Mitraillette Benoît. Bon appétit là, je m'arrête plus. Là, je suis chaud. T'es chaud bouillant. Plus vite les balles. Plus vite les balles. Du coup là j'ai carrément une crampe au biceps. Deuxième balle. Ouais. Carrément une crampe au biceps. C'est incroyable. Ouais. Oui Benoît. Ah, je suis c'est exactement comme ça qu'on vous aime. Tu peux me donner mon bol? Merci. Oh là là, il n'en rate pas une. Merci. Ah, la caméra elle est sale. Ah, problème. Attends, il y a un problème de caméra. Une petite liftée, Benoît. Ah, liftée celle-là, Benoît. Là, je sens que je rentre dans mon match. T'es en plein dedans. Là, je sens que je rentre dans mon match. Juste. Petit claquage. Plus. Ah là là. Plus de balles courtes. Petit claquage. Plus de balles courtes. Au mollet. Ouais. Continue sur les balles courtes, Benoît. Le mollet, il faut. La longueur, t'arrives pas. J'ai un début de crampe. Hop, putain. J'ai un début de crampe. Attention. Comme ça, Benoît. Attendez, Benoît. Voilà. Parfait, Benoît. C'est parfait. L'autre jambe maintenant. L'autre jambe. Début de crampe dans l'autre jambe. Hop là. Ah, ici. Voilà. Parfait, Benoît. C'est exactement mieux. Voilà. Ça tire vers la fin. C'est bon, là, je crois que je peux envoyer la sauce. Allez-y, Benoît. Moi, il va y avoir. Parler d'un truc. Ouais. Allez, première balle. Voilà Benoît, c'est comme ça qu'on t'aime. Wow. On peut parler du sujet. Tu l'as quand même, ça va vite. La chatte. Ça va. Mange à Lyon, Benoît, ça se voit. Ça va quand même très très vite. Wouh. Tu changes vraiment de meuf très rapidement. Ah ouais, c'est puissant. Ouais, genre. Kilomètre heure, bien Benoît. Tu changes. Attends, la cam. Putain. Tu changes beaucoup d'avis. Moi je. Je sens pas ma force aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'on peut repartir sur le sujet de base? Parce que je vois que je pense que je suis plus à l'aise de ce côté-là. Je sais que tu peux te rapprocher un peu plus.
Voilà, 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 plus vite, ramassez-la, plus vite. Bien joué, Benoît. Tu me gênes. Ça va, Nina. Ça va, Nina. Donnez les balles plus rapidement. Et arrêtez de gêner les joueurs. Ça fait pas les beaux, là. Balle. Donne la balle. Et ça, tu la dernière fois que tu veux vivre. Tu oh là là, on est vraiment mal accueillis. Tu changes vite. Je veux pas ton langue, avance à ça. Avance à ça. Ah, tu sais, ah, mais parce qu'il met des coups sur la caméra. Tu mets une blazade quand même, putain, le matériel est de mauvaise qualité ici. Oh là 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 là, quelle caméra. Mauvaise caméra. Et après je vais me reposer. Allez Benoît, allez. Préparez mon sauna s'il vous plaît. Dites à Pépita que j'aimerais me faire masser l'arrière-train. Moi, Pépita, sauna, masseuse. C'est un gros manque de respect. C'est un gros sauna, masseuse. Mettez-vous là. C'est un gros manque de respect. C'est un gros manque de respect d'insulter des femmes. Là, je vais faire mon tir spécial. Le lifté, looping, frappe de 200 km/h. Le tir spécial. Attends. Tu l'intitules. Je l'intitule le tueur de nordiste. En fait, c'est pas tout ce que ça. Ouais. On a trouvé le problème de la cam. Ça a touché quand même. En fait, ils ont mis le. Ça va? Dans les côtes! Qu'est-ce qui t'arrive? Y'a quoi dans les côtes? J'ai tiré un peu trop fort, je crois. Waouh! Ça va pas? Waouh! C'est malade! Non, mais toi, ça y est, toi, arrête, reste derrière le temps que les balles tournent! Attends! Il devait pas. Une balle longue, Benoît! Et là, ma dernière! Prends les côtes, tu vas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les côtes? Il m'a envoyé une balle! Le tueur de Saint-Martin! Le tueur de Saint-Martin! On va juste apprendre! Attends, mais deux secondes! Une quoi? Il a revienne! BAA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 A! Merci à tous! Merci, Benoît! Merci! T'as pas côté? Faut appeler le Samu. C'était sympa en tout cas ce petit déjà. Je peux pas parler. Ah oui. Je peux couper l'espérance. Du coup, pourquoi tu l'as traité de... Parce que même le soir où. Tu te rappelles le soir où il a fait sa crise d'adolescent, qu'il est parti dehors, que t'as dit, bah tu sais quoi, il revient plus au local. Tu te rappelles de ce soir-là que t'étais vraiment énervé contre lui? Et ben j'étais encore en train de lui envoyer des messages en lui disant, vas-y, rentre et tout, c'est pas bien, nanani, nanana. Tu nous l'as pas dit ça? Ça veut dire qu'elle était encore gentille avec toi, bien sûr. Il nous l'a pas dit, mais nous on a lu les messages en secret parce qu'on a ton magnifique Instagram sur le magnifique téléphone. Donc j'aimerais bien ça. Et on avait lu à ce moment-là que tu avais dit. Ah oui, c'est le moment où il a dit, ce n'est pas mes frères. C'était cette discussion-là. Oui, c'était ce jour-là. Ok, d'accord. Et... Non. Flex. Y a pas de soucis, vous ne t'inquiète pas. Y a aucun souci. Mais j'ai une question. Toi, là, actuellement, tu ressens quoi? De l'avoir en face de toi sur cette verre. Ça s'en bat les couilles. C'est son seul mot. On bat les couilles. Tu l'as pris comment, toi, le fait que du jour au lendemain, il était, voilà, comme t'as dit, il est amoureux de toi, il est soumis à toi, on le rappelle. Il a comme dit qu'il était soumis à ouais, c'est dit, vrai, moi, j'ai rien dit, moi. Et il a dit quoi? Il a dit il est soumis, il a fait une musique, il a dit je t'aime. La musique qui n'est pas encore sortie, d'ailleurs, qui va sortir. Très intéressant. Ouais, le tue, en plus. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai une question. Pourquoi, comment tu l'as pris, le fait qu'il t'insulte de p*** comme ça du jour au lendemain? Il aurait pu, genre, ne plus parler avec toi et basta, tu vois, ciao. Parce qu'il me semble, je suis la seule qui l'insulte comme ça, alors que je suis la seule qui est venue là pour le voir, je suis la seule qui lui a ramené un cadeau, je suis la seule qui l'appelait tous les jours, enfin, ça je pense pas que je sois la seule. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, je sais pas d'où vient cette haine. Tu l'as pas insulté toi? Enfin, petit clash. Bah oui, quand j'appelais en live et que je disais oui, y'a ça qui va pas, y'a ça qui va pas, mais jamais de la vie je l'insultais. Lui, oui, par contre. Même quand on était en bon terme, il a dit ouais, et elle aussi, si elle fait ça, qu'elle nique sa mère, tu te rappelles? D'accord. Barbara. Vous a insulté tous les deux. Moi j'ai une question pour toi. T'en penses quoi à un homme qui insulte une femme de pute en face à face? Mais après, tu vois, c'est son caractère, so.
c'est attendu. Faut... Oui, mais elle a rien fait de mal. Ça, je sais pas, j'ai pas suivi. J'ai rien suivi du tout. Elle a fait quelque chose de mal pour toi ? C'est du moment que tu. Je sais pas, mais. Du moment que t'as fini. Rentre en train. Que tu vas au resto et que tu dis après, ouais, même si je vais au resto, tu m'as dit ça avec un mec ou 25. Bah oui, bah excuse-moi. Attends, donc tout. Ah, donc lui, pose sur 25 meufs, mais moi je parle d'aller au resto avec un mec. Avec sur 25 meufs. C'est vrai qu'il y a eu. Yeah. Non, même pas que. Bah oui, tu vas pas sur des trucs de cul, même l'autre jour, Sapine était en live, t'as même pas baissé le son. Merci, de pas... Merci de pas me mettre dans la sauce. Oui, c'est vrai qu'il est accro. Non, mais pas après, bon, ça, c'est son. Après, c'est un cas. Mais après, ouais, c'est tranquille. On s'en fout, genre, c'est pas un reproche. Mais il y a une différence entre. Il est pas là en boîte aussi, donc je peux aller au resto. C'est vrai. Ouais, mais c'est amical la boîte. Et ben moi aussi, le resto, c'est amical. Voilà, merci Barbara. Non, mais on. Il y a plus de pute en boîte qu'au restaurant, hein. Ouais, mais il va jamais les ramener chez lui, you know, il y aura jamais rien. Qu'est-ce que t'en sais? Et qui dit que j'ai ramené le mec chez moi, que j'ai ramené au restaurant? Ah, mais juste, I don't know. Bah ouais, I don't know, moi aussi, donc, moi j'ai. J'en sais rien, après, hein. Moi je. Moi j'ai un truc à dire. Les couilles, oui, hein. Vas-y. Mais tu t'en bats les couilles de tout, frère. C'est vrai que. Tu t'en bats les couilles de tout. C'est vrai qu'on a surpris plusieurs reprises. Mais ça, après, il fait ce qu'il veut, on s'en fout qu'il aille sur des sites de cul. Non, mais c'est pas par rapport au cul. C'est quand on l'a surpris à plusieurs reprises discuter avec des nanas. Oui. Aussi pendant qu'il était justement en flirt avec toi. Et voilà, discuter, et moi je veux rester. Attends, discuter avec des nanas. Oui, sur Discord et oui, tout ça, on t'avait rappelé toi. Oui. Oh. Bah, quand j'appelle Safine et que je lui dis, tu peux me dire l'historique phrase. Merci de toujours pas sortir mon prénom. Ah, mais on s'en rappelle tous de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est. On s'en rappelle. Je pense qu'on s'en rappelle tous. Voilà. Donc maintenant. Eh ben tu sais, quand moi je parlais à LJP, il parlait bien sûr à Nina, so, c'est voilà. Des comportements, c'est des réflexes tu sais que, à prendre en compte, you know. Bah voilà. So. Pourquoi t'acceptes ça? Mais c'est pas que j'accepte, mais je vois tout de suite où la personne elle se tient. Tu cautionnes? Tu cautionnes ce qu'il fait? Qu'il insulte une femme gratuitement, parce que c'était vraiment gratuit. Mais je prends note, tu sais. Mais est-ce que tu te rappelles? Attends, on parle à Chalgoumi ou quoi? Est-ce que tu te rappelles le jour où t'étais venu? Pour des explications quand il avait rencontré Nina. Ouais. Tu te rappelles comment il t'avait reçu? Il avait même pas calculé. Je me rappelle, j'étais sur. Tu te rappelles comment il t'avait reçu? Ouais. En plein live? Oui. Et qu'il t'avait pas calculé? Ouais. Mais ça, tu trouves ça comment? Mais c'est que le soir où t'es venu faire le date à l'aveugle, on se parlait déjà. Bah, ça, tu vois, je savais pas, mais bon, you know, like. Quoi? Bien sûr. Bien sûr. Tu savais pas ça? Non? Puis 8 septembre, on se parle. Le? 8 septembre. Ça veut dire que quand t'as fait le date avec Barbara et tout, tu parlais déjà avec. Oui, même que moi j'ai envoyé un message, je lui ai dit alors t'as un date ce soir avec une fille et tout. Il m'a dit bah c'est pas parce que c'est un date que je vais t'oublier. C'est parce que c'est un date qu'on peut pas se parler. Ouais, voilà, un truc comme ça. Exactement la phrase que j'ai dit. Bon, écoute, t'es allé en boîte alors que tu parlais avec elle. Et elle est partie au resto au moment où vous étiez d'accord pour discuter ensemble. Amicalement. Amicalement. Merci. C'est vrai ça aussi. Ah! Sorry, I'm late. C'est vrai que JP. Non. Elle a toujours dit que c'était amical. Ouais. Non. Au début, j'ai pas dit que c'était amical. Au début, je suis pas venue dans le truc de me faire ami avec toi. Comme j'ai dit à tout le monde, s'il s'arrange, qu'il prend soin de lui et tout, et que je l'aiderai à prendre soin de lui, tu peux lever les yeux, les sourcils, tout ce que tu veux. Peut-être qu'il y aura moyen d'eux. Ensuite, t'as fait tellement de trucs de merde, parce que les stories où il y a une meuf, ah ben regardez, c'est ma meuf. J'avais oublié. Voilà, il y a eu tellement de trucs. Même des fois, il y a des clips sur TikTok. Les gens ils disent comment elle fait Nina pour encore parler avec lui après tout ce qu'il fait. Ah ouais. D'accord. Et en moi, fait, j'explique ce qui s'est passé. Je vais expliquer à Barbara. On va avoir un avis de Barbara. Rentre dans le champ. Imagine que par exemple t'étais en pré-couple avec Jean-Paul Malo, avec JP. Du coup, ça se passe super bien, nanana. Et que tu vas sur Instagram et tu vois une story de lui. Oui, il est avec une meuf. La meuf, elle dit JP, je suis quoi pour toi? Et lui, il a répondu quoi? C'est ma petite copine. C'est ma petite copine. Genre, c'est ma meuf, quoi. Pourquoi j'ai jamais vu cette story? Avec Samia, Alpha. Tu l'as pas vu? Rappelle-toi. Tu l'as bien vu, arrête. On s'en rappelle. Moi, ça me dit rien. Non, ouais. Moi, ça me dit quelque chose. T'en penses quoi? C'est pas bien. Si t'es en flirt avec le gars. T'es en flirt et tu vois ça. Tu réagis comment? À savoir que. JP, il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Ouais. Il met ça dans sa story. Toi, tu sais que les gens, ils savent que t'es un peu en bise-bise avec lui. Ouais. C'est un manque de respect. Je suis pas rassurée. Enfin, je serais pas rassurée et je me dirais que... Tu le prendrais mal, obligatoirement. Il y a un problème quelque part, c'est pas ton problème. Je suis pas la personne principale dans sa vie. Putain, mais mets des mots. Voilà. Donc je peux me recaser sur l'échelle quelque part d'autre, tu vois. Voilà. Sur la pyramide. Donc de base, moi, je suis pas en tort. Et toi, pour une burrata, tu l'as traité pour une burrata. Burrata? Je m'en bats les couilles de la burrata. Putain, c'est ses seules réponses, je m'en bats les couilles. On bat et steak.
Tu sais que depuis il a la phobie des burrata. Ah non, non, j'ai pas de phobie de rien. Ça lui rappelle les flashbacks. Ouais, ça rappelle sa rupture. Qu'est-ce qu'elle était bonne en plus. Ça me rappelle rien du tout. Je peux te poser une question. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de commencement. Ok, maintenant je vais poser une question. Je vais poser une question. Pas moi, toi. La personne qui est allée manger avec toi au restaurant. Ouais. C'était quelqu'un de ta famille? Non. C'était qui? C'était un mec. C'était un date? Ouais. Mais pourquoi t'as dit c'est ton frère alors? Mais c'est quelqu'un que tu connaissais avant? Oui, oui, ça fait longtemps que je le connais. Mais c'était un date? Mais c'était pas un date amoureux quoi, on s'est appelé, on s'est dit, enfin un date c'est un rendez-vous. Ouais, c'est ton pote. Ouais, voilà, on s'est appelé, ouais, viens, on va au resto, on va regarder Saw 10 et on rentre chez nos mères. Y'a rien eu. Ah ouais, vous êtes allé voir un film d'horreur. Wouah. J'avais pas vu. Burrata, film d'horreur. Burrata, film d'horreur. Non, sérieusement, non, en fait, moi ce qui me fait rire, c'est qu'on me dit à moi, pour une sortie que j'ai fait en 3 mois avec un collègue où je suis allé partir manger un resto. On me fait des scènes de fou à m'insulter de pute comme quoi j'ai sucé tout le village. Mais lui, c'est vrai, tout vrai. Ce qu'il fait depuis, on dit jamais rien. C'est vrai que t'as eu une phrase très pourtant, très. Pourtant j'étais, tu savais avec qui j'étais. Après personnellement, la fois où il est sorti en boîte, je suis parti le récupérer, il est très clean. Moi juste avant qu'il parte. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait des meufs, j'aurais semblé prendre des photos avec. Et il a dit non, je fais juste les photos, je pars, je peux pas rester avec vous. Je lui ai dit pourquoi t'as fait ça, il m'a dit parce que je parle à Nina. Ça m'étonnerait parce que moi, avant qu'il parte en boîte, tu lui poses une question. Je lui dis, écoute, s'il y a une meuf qui te chauffe et qui veut avec toi, Nina le sera jamais. Tu m'as dit, oui, t'inquiète, ça je sais. Ok. Mais pourquoi tout cet embrouille si vous avez jamais rien eu? Pourquoi il y a. Moi je dis les termes. Oh my god. Mais bon, c'est pas très sympa parce que moi j'étais gentil avec toi, JP. Genre, j'ai toujours voulu ton bien. Alors là! Moi je viens de Lyon pour toi et pour ton ami. Alors il sort de la toute la famille. Et ça n'arrive pas. Et ça m'est sort, lâchez-moi. C'est moi qui ai envie de t'es pas invité. Rio attaque. Attaque ce vieux p*** Rio. T'es pas invité, lâche-le. Rio, lâche-le. Rio, lâche-le. Rio, lâche-le. Rio, t'as un rap de merde. Sors de là. Tu sors de là. Bande de profiteurs. Moi je suis comptable, je suis pas une. Ok. Ok. Du coup. Ok. Émilie, parlons d'Émilie. Ça me fait penser à Émilie, cette histoire. C'était très mal passé. Même face à Émilie, j'ai pris ta défense, j'ai pris ton parti alors qu'elle disait que tu l'appelais, elle envoyait des captures et tout. C'est vrai ou pas? C'est vrai, je m'en souviens. Prête à aller frapper des mères et tout, à frapper sa mère, sa grand-mère pour toi, s'il te plaît. C'est vrai qu'elle a toujours été là. En fait, moi je trouve, JP. Moi je pense, JP, que t'as merdé. Merdé où? Moi je pense que t'as merdé. Avec moi, je suis une meuf gentille quand même, je t'ai rien fait. En gros, je pense. Moi, ça arrive là qu'ils font un peu quoi. Pour un repas, t'es parti en couille, tu vois. C'est un problème avec les fromages, toi. Est-ce que, elle, toi, tu l'as insulté de plus parce qu'elle est sortie avec un mec? Oui. Ouais, d'accord. Alors pourquoi le jour de la tu l'as insulté de plus parce qu'elle était au restaurant avec un mec? Je sais pas. Attends, parce que quand il était allé en boîte, c'est pas le moment où on était amical, hein. Moi, je suis allé au restaurant le moment où on était amical, hein. Entre parenthèses, ouvrez les guillemets, open les guillemets. Est-ce que je t'ai pas lavé le jour même que j'étais au truc? Est-ce que je t'ai pas dit, je vais boire un verre? T'es trop mignon quand tu fais de la lapin. Est-ce que je t'ai pas dit j'allais boire un verre? Non, moi tu. Après, tu m'as dit, s'il y a moyen de Kenny. Je l'ai su sur ta story qu'il allait en boîte. C'est vrai, il voulait pas le dire au début. Ouais, il l'a jamais dit. Au début, il voulait pas le dire. Il me l'a jamais dit. Je suis désolé, je balance tout. J'ai bien reçu, ok, y'a pas de problème. Et sur un message, heureusement, j'ai plus les messages. T'as de la chance. Mais est-ce que tu te rappelles quand je t'ai demandé si t'as l'occasion de boire une meuf, tu te rappelles ta réponse ou pas? D'accord. Je m'en bats les couilles, la réponse. T'avais dit quoi? T'es un homme. C'était juste pour que ma mère me casse les couilles. Mais tu l'as dit. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ok. Et on dirait, ça y est, c'est. T'enfonces le couteau à chaque fois. Non, mais moi je veux que tu sois sincère. Je veux pas que tu joues avec des meufs. Je m'en bats les steaks. Moi, parce que moi ça m'a fait de la peine ce que t'avais fait à Barbara. Je te jure, ça m'avait fait de la peine ce que t'avais fait. Ouais, y'avait pas façon de couper l'amitié comme ça. Voilà. Ouais. Ça m'avait vraiment touché. Ouais. Et là, ce que t'es en train de faire à Nina, ça me touche aussi. Moi aussi, ça me touche. Ça me touche énormément. Et le fait qu'elle rentre et que tu l'insultes de directement. Ouais. Et elle est gentille. Elle te dit rien. Elle est gentille, elle reste calme. Parce que moi, j'arrive comme ça. Devant 20 000 personnes, on me traite de p***. Là, ça va pas le faire. Mais surtout que tu traites une de fille, une p*** que t'as déjà au moins touché le cul, quoi, tu vois. Ouais, ouais. En plus, tu lui as jamais touché le cul. Mais il m'a jamais touché rien. Ouais, du tout. Tu as même pas fait mais, la bite. Mais du coup, il y avait pas de relation. Non, ouais, mais c'était en pré-relation. Bah, moi aussi, c'était en pré-relation. Oh, il y avait une pré-relation entre vous deux. Ah bon? Ah bon?
Ah bon. Il y avait une prise. C'est nouveau ça. Ah bon. Moi non, je vais. Attends, on va rester sur ça. Ah bon. Il y avait une pré-relation. What? Il y avait une pré-relation? C'est tout, tu viens de le dire. Tu peux t'avancer s'il te plaît? T'as déjà imaginé quelque chose avec JP? Approche-toi toi. Non mais après tu sais dans ma tête je fais l'évaluation. Tu sais, mais heureusement que j'ai attendu parce qu'après il m'a fait le coup avec Nina. Ah, okay, oui, voilà, donc une déception. Non. Il était en évaluation, après okay. Je lui dis, bah tu sais, il a fallu une seconde pour me remplacer. Moi, deux secondes. Donc j'avais pas forcément envie d'être replacé pour une bourrata. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, en fait, t'as la facilité à remplacer les gens. Parce que moi je me rappelle des mots. Franchement, si tu pouvais remplacer tes dents comme tu remplaces les gens, t'aurais toutes tes dents, mon gars. C'est on est dans la banne. T'inquiète pas, février, tu vas voir Tu vas faire Ah, mais Sartek, je demande que ça pour toi, c'est hein, franchement. Collègue, c'est mon collègue. Oh, c'est mon collègue. Oh, pas mal. High five. Ah non, et moi je te souhaite que ça. Ne crois pas que le jour où tu vas mettre des dents, je vais pleurer. Reviens-moi. Juste, je te souhaite que ça. Non, moi ce qui me choque, JP, c'est que moi je t'ai déjà entendu dire. De quoi? On a déjà eu des conversations et tu me disais, ouais, après Nina, y'a personne d'autre, c'est elle. Genre, t'étais vraiment à fond. Vu qu'à moi tu m'as fait une musique. La prochaine, tu vas lui faire quoi? Et un gosse? Ouais. Wouah! Carrément, ouais. Non, d'abord commence par l'embrasser. Ouais, déjà. La base. Non, commence par aller la voir parce que pour aller à Aix, tu galères, alors pour aller au Québec. T'inquiète pas, c'est prévu déjà. Tu vas aller au Québec? Ouais. Quand? Putain. Je sais pas, mais j'y vais. Alors, non, je parle. Vas-y, prends le billet. Non, je te parle sérieux, t'as du mal à aller à Aix. C'est là, genre. C'est à 40 minutes. Et tu vas aller à 40 km? 40 000 km. Ben, je sais pas, t'es fou. Pour une meuf que t'as jamais vue, genre, t'es prêt à aller au Québec, une meuf que t'as jamais vue. Genre, il arrive là-bas, y'a rien. Genre, tu parles avec depuis 2 semaines et tu sais qu'on a eu des problèmes avec son identité. On a dû faire des vérifications. Non, mais il s'en fout, lui. Tu sais qu'il y a des screens de vos conversations qui sont sortis d'un compte qu'on ne connaît pas. Ouais. Screen depuis son compte. Ouais. Bizarre. Il y a beaucoup de flou dans cette histoire. Et t'es quand même prêt à partir au Canada? De partir au Canada pour visiter, non? Non. Tu as la misère, c'est qui prend le dessus, mon ami. Je m'en bats les couilles. Moi, je te dis. Je m'en bats les couilles. Moi, je pense que Jacob, il devrait l'attendre à l'aéroport. Wow. Tu vois quand il va là-bas? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Jacob? Quoi qu'il a quel âge, qu'un Jacob? Il a des muscles. Ouais, quoi qu'il a quel âge, Jacob? Il est costaud. Je sais pas quel âge il a, mon grand, mais c'est l'âge, ça veut rien dire. C'est quoi le rapport avec l'âge? Tu sais même pas de qui on parle. Tu sais, Jacob, il vient des fois, il monte. C'est un Québécois. C'est un Québécois. Et en fait, la meuf avec qui il parle, elle est québécoise. On a encore des doutes sur son identité et sur, on va dire... son âge. Pas seulement son âge, mais surtout sur le fait... comment sur dire, ce qu'elle veut, en fait. Parce qu'elle est très directe. Elle dit qu'elle veut une relation avec JP, elle veut du mariage, elle est prête pour le mariage, elle est prête à cohabiter, elle est vraiment avenante. Mmh. Et ça me laisse... moi, je me pose énormément de questions sur ce sujet. On ne sait pas, parce qu'on l'a eu en visio. Après, on souhaite à JP de trouver tout le bonheur du monde, vraiment, hein, avec le grand cœur, hein, même si je suis une grosse... le truc dans l'histoire, c'est que à cause de cette histoire, du coup, le fait qu'il a rencontré cette fille, ça lui a permis de mettre un coup de balai, on va dire, sur Nina, beaucoup plus facilement. Alors que ça se peut, la meuf, ses intentions, elles sont vraiment pas bonnes, on sait pas, on a aucune assurance. Donc c'est pour ça que moi, quand elle dit que t'oublies les gens en une minute, c'est la réalité. Quand il y avait pas Nina, c'était Barbara. T'as vu qu'il y avait un tout petit peu d'espoir avec Nina. Barbara jetée, Nina. T'as vu que ça commençait à être difficile avec Nina. Que t'étais le truc, t'as rencontré Alicia, tu l'as jetée, t'es sur Alicia. Et c'est très mauvais, mon gars. En fait, tu vas là où il y a une petite faille. En fait, comme je l'ai toujours dit, tu vas là où la est la plus simple. En gros, dès que tu... Mais bien sûr. Si... Oh, baisse. Coupe. C'est qui? C'est moi. Du coup, moi, je trouve que... voilà, en fait, je t'explique. T'es un lion, t'es dans une savane. La proie, elle est devant toi. Enfin, un lion. Ouais, un lion, une hyène. Une hyène fatiguée. Une hyène fatiguée. Une gazelle. Non, une hyène, parce qu'il faut qu'il attaque. Et là, tu vois une carcasse. Et tu te rapproches. Et au final, tu vois une carcasse un peu plus proche à chaque fois. Et à chaque fois, tu changes. Et t'espères toucher le jour où tes lèvres vont toucher les lèvres d'une autre femme. Mais le jour où tu vas te marier avec une femme et que vous allez avoir une difficulté ensemble, tu vas te marier avec une autre? Je sais pas s'il a compris. Alors là, c'était du mépris. Elle a dit quoi? Tu m'as dit, le jour où il est marié avec une femme, quand il va avoir de la difficulté, il va se barrer? Je sais pas, moi, frère. Il lui a mis un vent hier. Bon, attends, en gros, ce que tu veux dire, c'est que.
il aurait dû. C'est qu'il est pas stable sur ses appuis. Non, mais genre, quand il y a eu de la difficulté avec toi, il aurait dû continuer encore plus. Bah, surtout quand c'est lui qui est en tort de base, quoi. Ouais, ouais. Bien sûr. T'en penses quoi, toi, de tout ça? Mais là, il a une meuf, donc on peut pas lui parler parce que là, il a pas de meuf, il est pas avec elle. Oui, mais comme d'hab, il est avec personne, mais il est avec tout le monde, lui. Là, il est fou amoureux, mais il est pas avec elle. Ouais, bah voilà, comme d'hab. Et la semaine prochaine, ça sera Barbara. Non, Barbara, là, ça c'est déjà fait. La semaine prochaine, ça sera une autre, Clarisse. Tu vois, ça va changer à chaque fois. Faut que j'aille la descente. Je suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh, oh, mais c'est embêtant. Là, je suis trop indécis, j'ai le nuage en.